va rester là, Nini. Elle reste en vacances. Oh là 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 là. Ça, ça va être bon. Oh, ben ça, ça va être bon. Au revoir, Nini. Bonnes vacances, Nini. 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 T'en fous, oui. Bah, vous allez où, habillé comme ça? Mais là, à l'aéroport, on se dépêche parce qu'il commence à faire froid là. Bah oui, mais là, vous avez les pulls, les moufles, vous savez où on va? Mais oui, on a mis. Et bah alors, il fait 37, 40 passés dans le désert. Oui, mais là, il fait moins 10 pour l'instant. Vous êtes prêts? On est prêts. Allez, en voiture, tout le monde. Pays rêvé de longue date, la Namibie avec ses grands espaces et ses déserts infinis. Nous allons nous immerger au cœur de ces paysages magnifiques durant 3 semaines entre déserts et montagnes arides. La Namibie est un pays de 800 000 km², soit une fois et demie la France, présentant une des plus faibles densités de population au monde. La Namibie, c'est aussi partir à la rencontre du Big Five, lion, éléphant, léopard, rhinocéros et buffle. Christelle chauffeur, hein. Non, je suis concentré, je roule à gauche, j'ai pas l'habitude. T'es pas lavé, ma chérie? T'es pas coiffé? Et tu t'es enfermé. Tu vois, tous les fauves. Il y a un feu à l'intérieur parce que t'es pas du coup. Ah bah t'es mal, hein. Pourtant tu paniques, tu trouves la clé, le machin, mais là. Pour les babouins, tu t'enfermes comme ça, là. Bah oui, il y en a apparemment. Les moustachus. Bonjour le lion. C'est bon. Ouais, oui, d'accord. Film, on savait film, putain. Ah ben, il y a les pancakes. C'est les pancakes de ce matin. À peine, moins le 45. 8h45. Du Waterberg, situé au nord-est de la Namibie, émerge de la surface plane du Bush. En haut des falaises s'étend un plateau de 40 550 hectares, recouvert par une végétation aride. Au pied du Waterberg, un cimetière qui atteste de la présence coloniale allemande en Namibie. En Namibie, la nature est omniprésente et il n'est pas rare d'apercevoir babouins, gazelles ou phoques aux chairs occuper les lieux où sont situées nos habitations. Ce soir du Springbok. Le Springbok, c'est une antilope d'Afrique australe.